Chapitre 6. Quelle relation entre diplôme, emploi et salaire ? Dossier 2. Quel est l'impact de la qualification sur le chômage ? Le chômage désigne la situation d'un individu, sans emploi, à la recherche d'un emploi, et disponible pour en occuper un. Le niveau de qualification a un impact sur les probabilités de se retrouver au chômage. La qualification désigne l'ensemble des compétences d'un individu qui lui sont nécessaires pour occuper un emploi. Elle s'acquiert par la formation et par l'expérience. Sur le marché du travail, les personnes diplômées s'en sortent mieux que les personnes peu, voire non diplômées. En effet, une personne qui a un niveau de qualification plus élevé aura plus de chances de trouver un emploi, donc moins de risques de se retrouver au chômage, contrairement à une personne faiblement qualifiée. Par ailleurs, les diplômés décrochent plus facilement des CDI, contrats à durée indéterminée, offrant une certaine sécurité aux travailleurs. Ceux qui ne sont pas diplômés ou faiblement diplômés vont davantage être confrontés aux emplois précaires, comme les CDD, l'intérim ou les stages, qui procurent des conditions de vie plus instables liées à la durée déterminée des contrats. Enfin, l'évolution du marché du travail ces dernières années est favorable aux plus diplômés. Les organisations productives offrent de plus en plus des emplois qualifiés et cherchent donc à embaucher des travailleurs diplômés, tandis que le nombre d'emplois faiblement qualifiés offerts diminue.